Eh bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure suivie sur Guild Wars 2. On voit que Parano a déjà lancé sa dance, hein, sa death révolution, attention. Vas-y mon cochon, vas-y danse, ouais. On dirait un gay comme ça. Il est, là tu sais quoi, il va pleuvoir et tout là, tellement il sait pas danser. Il fait des trucs, des incantations vaudou là. Bon. Allez. Allez, on s'était laissé où la dernière fois, je t'ai laissé ici avec, après qu'on ait rejoint les... Comment ils s'appellent encore? Je me rappelle plus, les veilleurs. Ouais, les veilleurs. Non mais on avait battu la grosse araignée qu'on avait galéré à mort là, tu te rappelles pas? Eh oui. Les ventes là qu'ils nous avaient fait galérer. Ouais, mais ça je crois pas qu'on l'avait fait en vidéo, si je crois, non? Non. Ah, à part si tu l'as coupé, je sais pas. Non. T'es sûr qu'on l'a pas fait la vidéo? Non, je crois pas qu'on l'ait fait. Oh, tant pis, hein, c'est pas grave. Et moi je suis bien dans la merde avec mon G35 vu qu'il y a des trucs qui a pété. J'espère que ça va tenir le temps qu'il faudra pour cette vidéo. Allez hop, on est chaud. Oh bah niveau 36 ça va. Le messager n'y est pour rien. D'accord. Tu es level combien aussi là? Non, je suis 59 moi. 59 ok. Hey Forgal, pas moins. Quelque chose à signaler? Qui êtes-vous? Le commandant Samuelson n'a jamais parlé d'une escorte et vous n'avez pas l'air d'être de l'avant-garde. Nous sommes des veilleurs. On a eu vent de l'attaque prévue contre le ministre Duran. On vient s'assurer que vous le trouverez à temps. Une escorte? Je suis un soldat de l'avant-garde d'Ebon. Je n'ai pas besoin de chaperons. On est des touristes, pas des chaperons. On emprunte les mêmes routes, on profite des mêmes paysages et on ratatine les mêmes demeurés que vous. Vous m'avez l'air de quelqu'un de raisonnable. Vous voulez vraiment nous dire où ne pas aller et qui ne pas cogner par une si belle journée? Je dois transmettre ce message au ministre. Je n'ai pas le temps pour ça. Tenez le rythme, je ne m'arrêterai pas. Direction le pic du sommet. Et ne traînez pas. Le pic du sommet. Tiens, c'est une première en tout cas. Mais n'en parlez pas à l'avant-garde, on se moquerait de moi pendant des années. Ouais, parlez pas à l'avant-garde, on se moquerait de moi pendant des années. Bon, tu bouges? Oh, ça commence bien. Eh bien, excusez-nous pour ce petit malentendu. Hein, apparemment, on a eu un problème. Enfin, j'ai eu un problème de connexion. Je me suis fait déconnecter du jeu de Skype. Bref, de tout. J'en ai du bol. Hein. C'est pas grave. On va vite reprendre. On va vite passer le petit dialogue. Hein. Allez hop, on leur parle, on leur dit salut les copains, allez à la fin. Vous m'escortez? Ah enfin, elle décide de me. Mais n'en parlez pas à l'avant-garde, on se moquerait de moi pendant. Dis-toi tout à l'heure, je te voyais, tu traçais tout droit contre un arbre, comme ça genre. T'étais là, des coups. Tu avançais comme ça, comme une conne sur l'arbre. Ah, c'est mon truc, l'agro, non? Oula, vous quittez la zone! Mais non. Il est temps de s'amuser. Ça me dit que je quittais la zone. J'ai l'impression de taper dans le vent encore une fois. Allez, tu meurs, connard. Hop. Pas de venez dans l'instant, sinon vous serez expulsé. Ouais, mais ouais, tu vois, il y a le carré rouge. Ouais. Bon, il faut essayer de faire tout, hein. Ah non, je m'en fous. Ah, bah, j'ai eu le temps. Alors, elle est où la biatch? Elle est là. Allez, vas-y, grosse. Montre-nous ce que tu sais faire. Tu crois que je peux la charmer? J'espère pas avoir un petit. Chien de noir, faucon. Ah, t'as sur les fermiers là à droite. Oh, des fermiers renégats! Allez, venez, mes petits chatons. Oula, pourquoi je suis furtif? Hop. J'aime bien avoir tout l'agro à chaque fois. La blinde quand même là? Ah, j'ai l'impression d'avoir des coups de lag sur le jeu. Le serveur, ça va-t-il surcharger? Je sais pas, mais moi aussi ça me fait bizarre. Ah bah j'espère que ça va. Oula, bien la compétence qui se lance 2 ans plus après. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, tu crèves. Merci. Oula, encore. Oula, c'est quoi cette téléportation là? Je sais pas, il s'est TP lui. Merde, j'ai... Aïe! Il est temps
de s'amuser. Enfin, peut-être parce qu'il va y avoir un dragon et qu'il est dans la zone, donc ça fait laguer. Ah, peut-être. Je vois. Pourquoi il y a le dragon là? Tenez bon, il faut aller. Le dragon, c'est maintenant qu'il va pas pour. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu plein de monde, donc ça m'étonnerait pas qu'il pop maintenant. Vos propres soldats. On connaissait tous les risques en rejoignant l'avant-garde. Pourquoi j'ai tous les risques en rejoignant l'avant-garde? Moi, je les connaissais pas. Attends, j'ai les aggro comme ça. Oh putain, c'est trois vétérans, fais gaffe quand même. J'envoie les chiens. Allez, la même. Allez, mes toutus. Ah oui, parce que j'ai troqué ma guilde des voleurs contre des chiens fous furieux. Ouais, d'accord, le PNJ, c'est bien. Tu tapes une touchette là, à regarder. D'accord. Vous êtes comme ça, vous, hein. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il fout? Moi, je tourne en rond, y'a le mob qui me court après, ça fait 2 heures. Ouais, je vois ça. Oh, c'est bon, les trois, on se les a gérés, normal. Et... On va les ken. Okay. Rien que j'ai des flèches empoisonnées. Oh, regarde, je l'ai empoisonné dans tous les sens, ce type, il comprend plus rien. Allez, mais crève! Allez! Des ogres! Ces renégats font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues! Allez! Des ogres! Oulala! 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 Merci! J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Oh. Je vais vous aider à rejoindre le pic. Bah vas-y, aide-nous. Il y a une mort là-bas. Ah, ouais, il y a une peine du mort. C'est qui est mort? Je sais pas, mais elle va où? Bah je sais pas, mais en tout cas notre objectif c'est là-bas, donc on va peut-être y aller. Ah d'accord. Qui? Et le sergent, t'es où? Il est où le sergent? Là, il est passé. Non, fuyez! Mais derrière toi? Non, fuyez, c'est un piège! Oh le bâtard! Oula! Oh putain, c'est pas possible, ça lag. Ça lag, tu me dis, je vois même pas mes dégâts. Je sais pas, je vois mes coups qui se lancent 2 ans après, là, ça prend une gavée, là. Eh oui. C'est pas grave, du moment que je suis pas à terre. Du moment que tu topes pas contre un arbre. Ça va? Je vais faire la queue, là. J'aime bien, ouais. Oh là là. Et bon. Tu. J'aime trop la musique, celui-là. C'est dommage qu'ils n'ont pas changé sur toutes les zones, quoi. Pas sur toutes les zones, mais que. Bon, ça évolue un petit peu, tu vois, au fur et à mesure d'histoire, mais. Bah, attends, c'est quoi son bruit? Je la connais par cœur, là. On est dans la quête, là, et. C'est tellement bugué qu'il n'y a pas de truc, c'est ça? Elle est où la sergente, là? Putain, on l'a perdu! On a perdu le sergent. Quoi, il est mort? Où est le sergent Jean? Il faut sauver le sergent Jean. Quoi, il est mort, je crois? Non. Je sais pas, mais en tout cas, sur la carte, je la vois pas. Elle est partie où, ce biatch? C'est buggé. Ouais, j'avoue, c'est buggé, là. Ça serait ballot, quand même. J'ai pas envie de recommencer, là. Bon. Où est le bouclier? Ben non, c'est le bouclier, non? Il faut protéger le bouclier. Et elle a disparu. Bah non, elle est là! Elle est sérieuse! Elle est où là? Oh la conne, on a avancé trop vite! Oh putain! Allez, biatch, fais-nous ce trajet! Bon, mais y'a plus de mobs du coup, hein. J'espère qu'ils vont pas au pop! C'est jamais, hein! Bon, de toute façon, je m'en fous! Allez, vas-y, ma cochonne, avance! Tu ne veux pas être plus rapide un peu là? Et dans les. C'est la musique épique et tout pour le trajet quoi. Sérieux? Ça sert plus à rien cette musique épique. Tant long. Oh! Ouais, quoi? Non, rien, je pouvais monter dans l'arbre. Dans le petit buisson. Dans Guild Wars 2, les buissons arrivent à supporter le poids d'un être humain normal. Attention. C'est-à-dire 150 kg à la pesée. Ouais, non, mais attends, hier on a essayé de faire
comment ça s'appelle, un secret là, tu sais, c'est des comment on appelle ça, puzzle, je sais plus comment là. Ah ouais, puzzle de jump, un truc genre. Voilà, jump puzzle ou puzzle place. Jump. Votre attention. Tu rigoles sur des fois sur les petits trucs où tu marches et tout. Et d'ailleurs, il y a un petit truc hier, ça m'a fait penser à Avatar quoi. Ah bon? Ouais, il y a des rochers qui volent et tout comme dans le film et ça m'a fait bien rigoler. Allez, c'est bon là. Allez ma grosse. C'est bon, t'arrives à destination. Tu nous auras bien fait chier jusqu'à la fin, mais t'arrives à destination. Nous y sommes. Je brûle. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, j'ai un message urgent. Le commandant Samuelson m'envoie de Noir Faucon. Vous courez tous les deux un grand danger. Comment ? Doucement, sergent, respirez et dites-moi ce qui se passe. Ajax Sandvilburn et ses renégats préparent une embuscade. Ils comptent assassiner le ministre Duran et faire porter le chapeau à l'ambassadeur fracassier. On ne peut pas laisser faire ça. Duran, vous savez vous battre ? Pas aussi bien qu'un char, mais je me défends. On pourrait s'abriter au pic du sommet. La hauteur jouerait en notre faveur. Le camp est un bon emplacement de défense. Si les renégats ne se doutent pas qu'on les attend, on peut plus facilement prendre l'avantage sur eux. Sauf votre respect, monsieur le ministre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je suggère qu'on trouve la base d'Ajax et qu'on frappe les premiers. Ce sont les veilleurs qui ont découvert ce complot, messieurs. Peut-être devrions-nous les laisser choisir entre l'attaque et l'embuscade. Tu vas choisir. Attaque ou embuscade ? Je sais pas pourquoi, mais je me sens d'une humeur charriesque aujourd'hui. Allez. Faites-moi votre rapport. D'accord, allons éliminer avant qu'il ne cause plus de dégâts. Tant pis pour le ministre. Nous allons partir pour le voilà. Des renégats et attaquer avec toutes les forces que nous pourrons mobiliser. Oh, t'as eu le droit de gâteau. Bonne idée, recrue. 20% de journée de la vie. Un coup critique. Tarte à la crème, gâteau au chocolat. Je vais prendre la tarte aux fraises, moi. Prête à recommencer. Prête à recommencer, yeah. Là, moi aussi j'aime bien la tarte aux fraises. J'adore les tartes aux fraises. Bon, c'est taille de là. Ouais, allez, hop. Taille. Ah, du coup, tu sais que mes trucs de XP là, je les ai pas utilisés. Moi, je les garderai pour mes rerolls ou quoi. Bah oui. Ah, où est-ce qu'on. Hein ? Qu'est-ce que je fous ici, moi ? Tu es où ? Bah, je sais pas, je suis bon dans un camp là. Ah, oui, je te vois. Tu es où c'est qu'il y a le cœur ? Bah, ça tombe bien. Tu as découvert un peu la zone ici ou pas ? Bah, la zone, je la connais par cœur. Enfin, ouais, j'ai tout découvert quoi. Ça va. Ah, bah attends, il y a un TP pas loin. Juste à gauche. Ah, ouais, juste à gauche. Le bruit tonnerre. Et par contre, on va faire une petite vidéo courte hein, parce que comme ça, on aura peut-être le temps de se préparer pour la suite de Borderlands 2. Vu qu'on fait ça à 4, bah il faut quand même. Ouais, minimum d'organisation. C'est vrai que là, c'est un peu chaud. En plus, on aimerait bien insérer la Doom dedans, donc. Ouais. Je suis tapé sur pas le. Bon, bah attends 2 secondes, hein, j'ai pas pris le bon. J'arrive. Bah, je suis devant moi. Ça va. Y'a des petites hyènes de merde sur le chemin. Des chars louches. Ah, je les aime pas, les hyènes. Moi, j'aime bien les hyènes. Non, mais dans le jeu, gros. Ouais, bah, moi, je... ça me fait penser aux hyènes de. Du roi lion. Ah non mais attends, elles sont trop sauvages celles-là. C'est fou hein. Elles viennent comme ça, elles te blessent direct et tout. Moi c'est les dégâts qu'elles me font en fait qui me dégoûtent. Dévoreur. Quoi? Cours gros, cours. Ouais je vois ça mais attends, je vais le déf. Parce qu'il va me suivre. Ils vont tous te suivre. Ah ouais je la vois. Regarde tu vois, direct tu te mets des, elle t'a fait un dégât là qui fait super mal quoi. Apprendre pour la victoire. C'est vrai que j'ai fait longtemps que j'ai pas fait ma quotidienne. Ouais, moi aussi. C'est quoi tout ce monde là ? Envie de tuer, ça presse ! Envie de tuer, ça presse ! Une envie pressante de tuer ! Vas-y, je te laisse envoyer. Attends, hop. Voilà. Allez. C'est quel niveau maintenant ? J'ai pas le temps de voir. 39, je crois, non ? Ou non Non, qui est 39 que j'ai dit ? Vous voilà, recrue. Je croyais que vous vous étiez offert une... Ouais, d'accord. Nom d'un... Recrue, venez raisonner cette femme. Elle est aussi têtue qu'une chèvre de chaman. Forgal, ce sont des renégats. Ils ne sont rien de plus qu'une bande d'agités enfermés dans une grotte qui n'a qu'une sortie.
Si vous pensez vraiment que ce sera un combat difficile, vous devriez peut-être songer à prendre votre retraite, papy. Attention, soldat, ou papy va vous faire mordre la poussière. Ce une fessée, une fessée. Ils savent qu'on arrive. Ils ont choisi leur point de défense et ont eu le temps de le fortifier. Si vous foncez sans réfléchir, vous courez à votre perte. Un homme sage m'a appris qu'il y a un temps pour la stratégie et un temps pour l'action. À votre place, je l'écouterai. Vous apprenez vite, recrue. Bien. Écoutez, sergent. Il faut qu'on reste groupés si on ne veut pas se faire liquider un par un. On avance doucement en faisant attention aux pièges. Recrue, je vous mets en première ligne. Dites-moi ce que vous voulez quand vous êtes prête. Oh putain, allez, ça commence à faire tout ça le boulot. Je serai juste derrière vous. Et allez, c'est l'heure de la baston. Oh, elle est pas mal la norme. J'adore son skin. Je veux le même bouclier. Ennemi repéré. Oula. Enemy down. Ah, mais je suis déjà venu ici pour faire une quête. C'est trop tard pour moi. Wow, one shot. Chargé. Ils sont tous fait défoncer là. Ouais, j'avoue, ils sont tous fait def là. Merde, avec les raids. Oh. T'inquiète, t'inquiète. Attends, lui va se refaire def, je suis pas arrivé. Oh, attention. Oh, c'est vrai, je tape pas si fort. Bon, allez, moi j'y vais alors. Bon, allez, chargeant. Chargé. Non, pourquoi t'étais. Allez, mec, crève. Oui, je prends. Oui, là, j'imagine. Eh, il se passe quoi, là? Ah, mais je reste PNJ, là. J'invoque les toutous. Déjà? Donne-moi la force. Ah, là, ils sont en grand nombre, les uns. Ah, tu vas faire mal, quoi. Ouais, je vais leur faire gros bobo, là, tout de suite, là, maintenant. Je me sens chaud. Casse le canon, casse le canon, casse le canon, casse le canon. Oh! Est-ce que toi aussi ta musique elle a bugué? Ouais, non, ouais, c'est stoppé net d'un coup comme ça. Attends, boum! Je casse le ciel! Ah, ça y est, ouais. Tu veux voir le tir rapide de Guild Wars ou pas? Non, c'est bon. Sur l'arc? Alors, fouiller. Oh, il avait une hache, mais votre inventaire est plein, c'est con. Allez, mourez, bande de chars, vous êtes pas beaux. Tu vas essayer de dire bande de chacals? Non. Faut pas abuser. Bizarrement, on bug moins là, hein, sur ce. Ça doit être la 4 qui faisait bugger. Ouais, j'avoue. La zone, pardon. Pétez les canons. Salutations. Ouais, parce qu'il faut préciser à la zone où on était tout à l'heure en fait. Merde. La zone où on était en fait, il y a un event où il y a un dragon qui pop tous les 3 heures. Donc putain, je vais mourir. Non, attends. Généralement, il y a beaucoup de monde qui le font et ça fait bugger les serveurs. Ouais. Enfin, ça fait pas bugger, mais ça augmente. Ouais, ça fait friser un petit peu quoi. On a un beau vétéran là sur le feu. Allez, tu vas mourir le vétéran là. Ouh putain, il m'a mis un coup de lame là, ça m'a fait mal. Oula, pourquoi je. Il m'a même pas touché. Vous aviez raison. Les renégats nous attendaient. Ils croyaient être prêts, mais ils n'ont pas su résister à la force des veilleurs. Je ne comprends pas ces renégats. Pourquoi œuvrer ainsi contre la paix aujourd'hui en Thierry? Avec les dragons qui courent, ce n'est pas le moment d'être divisé. Certains ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Ce traité nous rapproche un peu plus de la victoire, même contre Zaitan. Bravo, recrue. Vous apprenez vite. Vous vous adaptez et savez quand il faut dégainer. Au début de cette opération, je pensais que je ne vous aimerais pas. Almora m'a un peu forcé la main. Elle vous disait à part. Mais elle avait raison sur toute la ligne. Vous n'êtes vraiment pas comme ces autres jeunes qui traînent dans les couloirs de l'ordre. La fumée des pétards et bordure. Je vous prie au rang de croisée, mais que ça ne vous monte pas à la tête, hein? Non. Rassurez-vous, vieil homme. Et merci. C'est un honneur de travailler avec vous. Papy, ne poussez pas le bouchon trop loin quand même. Eh, papy. Papy? Il est con quoi ce mec? Attends, parce qu'il faut que j'achète des trucs là. Je suis un peu fou là. Papy.
Papi. J'ai pas eu le truc de la quête, moi. Y a rien là. Ah. Faut qu'on style là, faut qu'on style. Attends, que je dépose tout ce que j'ai à déposer. Voilà, c'est bon, on va se tailler. Et je crois qu'on va en faire une autre. Et après, on va s'arrêter ici. Ok. Oula. Oh, direct sur Nien. Je m'en fous, Evan. Pas de biatch. Mordez la poussière. Hallelujah. Allez, vas-y, on se taille. Ah, faut retourner en ville. Ouais, mais je peux pas vu que j'ai aggro des mobs. Ah, bah c'est con, moi je les ai pas aggro. Moi quand je vois les trucs, je n'y vais pas. Un voleur, ça doit se faire fourbe. Tant bien, je vais pouvoir les vendre. Parce que là, je suis un peu foufou là. Mais il y a des mobs partout, bordel de merde. Bordel de merde. C'est bon. J'ai réussi à m'échapper. T'as déjà échappé. Oui. Tu as fait déportation anale. C'est un secret. En plus, c'est qui dit ça, le petit, hein? Attention, hein, rigole pas. Ok. Alors, attends, tu allais vendre? Je vais profiter moi aussi, mais je crois que je suis... Merde. Que Lissa vous vienne en aide. Un sceptre? Non, c'est pas pour toi. Ah, j'avais pas vu que j'avais une espadon de massacre. 51 précision, 72 de dégâts en altération, je l'ai gardé. Je sais même pas où je les loot, cette saloperie. Je ne sais pas. Voilà. Allez, ça se peut dire en maille, on vend. Et je suis à 6 PO 38. Eh ben moi qui pensais que j'allais devenir pauvre. Ouh là là, t'as plus d'argent que moi, toi. Moi je suis à 3 PO bientôt, là. Ah oui, pas je dois acheter le livre d'expert, là. Ah oui. Ah, c'est con, hein. Ouais, j'avoue. Parlez. Un fort de veilleur. C'est moi qui vais gagner la course. C'est moi qui vais gagner la course. Non. Je t'ai niqué. Je suis trop lent, moi. Je comprends pas. Et encore, quand j'ai pris mon char là, laisse tomber, gros. C'est. Non, mais le char, c'est juste une impression. Je sais pas. On dirait qu'il est super lent. Quoi. Sinon, il court aussi vite qu'un humain. Hein. Je sais pas. Ça fait bizarre, en fait. Lui, j'ai l'impression qu'il va vite, c'est les Azura, là. Oui, tu vois, parce qu'ils sont nains, donc ils font deux pas. Un pas humain, c'est qu'il voit deux pas chez un Azura. Attends, on peut pas se TP direct là, il faut aller où? Bah, je sais pas, je suis toujours dans le temps de chargement là. Je sais pas, faut aller où là? Faut aller au portail des Azura, non? Siège du caster, ouais, va au milieu. Ouais, mais attends, siège du caster. Ah, bah non, de toute façon. Ah, ça me dit, bah, y a le fort des veilleurs en fait, c'est juste à côté, je le vois. Où? C'est dans le champ de Gendaran. Et je vois l'objectif là, je vois devant. C'est juste que j'avais pas envie de tuer le TP. Ah oui! Champ de Gendaran. On l'avait pas fini cette zone, hein, je te signale. Moi je l'ai fini. T'es sérieux? Vu que j'avais que ça à foutre de toute façon. Il manque un TP, une quête. Il me manque un de chaque en fait. Bah, c'est pas grave, je reviendrai. Tu reviendras. Si tu vois toutes les quêtes que j'ai commencé et que je peux terminer aussi. Hein. Quoi, toutes les zones. Ah, mais c'est là. Voilà. C'est juste à côté. Ici. Attends, casse-toi. Hop. Voilà. Allons-y. Niveau 39 conseillé. Oh, bah ça va. Le retour du croisé. Oh, attention. C'est le retour de ton père à la mort à ta mère. Hey gros! Qu'est-ce qu'il y a? Bien joué, recrue. Vous avez sauvé le traité entre la Crite et la Légion de Fer. J'espère qu'ils vont réussir à instaurer une paix durable, Général. On ne vaincra les dragons que si les deux nations coopèrent. Général, je peux vous poser une question? Ajax Sandvilburn... C'était votre fils, n'est-ce pas? Je vous arrête tout de suite, ce que croisé, ça ne vous regarde. Laissez, je vais répondre. Après ce que vous avez traversé tous les deux, la croisée mérite bien d'être au courant. Ajax était mon fils, mais comme le veut la tradition, je ne l'ai pas élevé.
Je l'ai laissé au phare, et il m'a retrouvé après le massacre de ma troupe par un dragon. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais fondé l'éveilleur, mais il répétait que je perdais mon temps. Il n'a jamais voulu voir la menace des dragons. Comme beaucoup de légionnaires, Ajax ne voyait pas plus loin que les Tchars. Je pleure la mort de mon fils, mais je ne regrette rien. Mes condoléances, général. Mais vos sacrifices ont sauvé le peuple de Tiri. Merci, je le crois aussi. Général garde-esprit, j'aimerais demander à ce que la croisée me soit officiellement affectée comme partenaire. En voilà une surprise, Forgal. Alors, on s'attache ? Je n'ai pas le temps de former quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. J'avoue qu'on fait une bonne équipe. Bien, j'accepte votre requête. Croisez, j'ai donné à Forgal plusieurs choix sur votre prochaine mission. Discutez-en et mettez-vous d'accord. Ok. Bon. T'es où ? Je suis en haut. Qu'est-ce qu'il faut en haut ? Mais le truc, c'est que moi, ça m'a pas lancé dans le... J'ai pas eu, là, le... Comment dire ? Si je fais ça, attends. Non, mais ça m'a fait aller. Ça m'a fait... Il m'a marqué choisir une culture fait. Tribale à aider. En mode qui ? Ah, je sais pas. C'est qui ? Les script. Oh putain, il me l'avait dit, rage. Nager avec les Quaggan. Non, viens, on prend les Quaggan. Ok, on va prendre les Quaggan. J'ai choisi les Quaggan. Je vous retrouve au lac de Wyrmsang. Je vous retrouve au lac, on va faire trempette. Ouais, je préfère les Quaggan que les script. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Putain, ça aura pas plein d'XP, j'aurais peut-être dû venir jouer plus souvent ici. Alors, ça veut dire qu'on va faire trempette. Putain, ils ont pas donné d'XP pour la mission qu'on a fait tout à l'heure là. Ouais. En général, les XP viennent avec les récompenses de quête. Par contre, là, voilà, moi ils me disent voulez-vous rentrer dans la. Ah, ça y est. Hein ? Attends. Ils me disent d'aller là-dedans, moi. Ils me disent d'aller là-dedans ? Bah ouais. Bah vas-y, retourne-y, moi. Enfin, moi je l'ai déjà fait donc. Vas-y, arrête, annule. T'as 2 secondes, je vais juste lui parler en 2 secondes. Je vais lui dire on est quoi, Gan aussi. Je dis parce que j'ai pas eu le truc. Aïe aïe aïe, t'as peut-être pas le TP. Attends, c'est bon. Voilà, la fin. Non. Et aussi le. Ah bah non, finalement, c'est moi qui ai pas le TP. Je regarde un peu. Ah bah si, il devrait y avoir moyen d'y accéder. Oui, j'ai level up 82 fois. Bravo. Bon, sache qu'il t'inquiète. Attends, toi tu es parti déjà. Non, je suis pas parti, toujours là. Ah. Ok. Bon, ça y est, j'ai choisi de... Les Kraken. Bon, bah apparemment, faut aller... Tu vois, Holbrach. J'ai tout ce qu'il vous faut. Holbrach. Bah regarde, je dessine. Alors, Holbrach. Oui. C'est là-bas qu'il faut aller. Hein ? Ah ouais. Ça dit que c'est là-bas. Tu as le TP ? J'ai un TP légèrement sur le côté, mais c'est tout quoi. LOL ! Ta gueule ! C'est ça de pas faire les autres. C'est pas grave. De toute façon, je peux sprinter, c'est pas le problème. Oh, j'y suis, je t'attends. La falaise de. Ah, mais attends, tu voulais pas qu'on s'arrête là ? Non, on va vite faire ça et ça devrait être bon. What the fuck? Hmm? Bon, mais du temps, je tue les basiliques et tout ce qu'il y a dans le coin. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir! C'est une zone 43 euros. 43? Ouais. Faut juste que je trouve par où je dois aller. Vers le fin, vers la, les fins, les zones, comment dire, 80 et tout là. Je fais que courir, je t'arrête jamais. Tu te fais toucher par un mob, tu meurs presque. Ouais, un petit peu abusé, hein, mais rien que tu cours, quoi. Ah, oh, un harfang des neiges. C'est moche. C'est très très moche. Bon, rassure-moi que c'est tout droit. Je sais pas, moi. Je suis où, là? Ouais, c'est tout droit. C'est pas grave. Oula, j'ai vu un gros caillou me tomber sur la gueule. C'est quoi, cet embrouille? Ah! On m'en veut! Aïe! Ouh! J'ai pris cher. Oh, je suis gelé. Ah mais attends, si j'envoie moi la quête, ça va pas t'envoyer toi aussi? Vu qu'on est en groupe?
Non, je crois qu'il y a une certaine distance. T'es sûr de ça? Mais de toute façon, je suis quasi à côté, donc ça va. C'est qu'une question de secondes avant que je ne sois là. De toute façon, c'est sur la glace, je suppose. Ouais. T'as peut-être pas dû prendre cette zone finalement. Ah bah, je te vois là. Et coucou! Fitzvanir. Putain, y'en a encore ici en plus! Y'en a partout, gros. Dans la glace, y'en a partout. Le petit lapin! Non! T'as tué le lapin! Barracuda ancestral. Attention, y'a le barracuda. Non, on y va pas, il est. Putain, en plus, il est gros lui. Non, mais ça va en plus, il est facile. Oui, les Quagan! On est sous la glace, mec, dans la merde, on peut plus remonter. Parlez à votre contact Quagan. Hey, contact, oh. Salut! Quagan en colère. Parade, aventurier. Quagan doit vous parler. Quagan doit vous parler. À suivre le Quagan. Oh, il est rentré dans le petit trou là. Oh, j'ai une méduse. Là, c'est par où là? Dans le trou là. T'es où? Putain, on aurait dit un vagin quoi. Oh, de suite. Regarde, rentre. Là, il est en haut. Bon, c'est bien si vous êtes là pour les nourrir. Tenez Quagan au courant. Merci, Chachou. Quagan et Varonos Narijou, chef de ce cocon. Vous êtes des veilleurs? Oui. On nous a expliqué la situation, mais vous devriez nous expliquer les détails. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. Quagan ont besoin de nourriture, ou notre ponte ne va pas survivre. Les récolteurs sont partis fouiller dans les terres de récolte pour trouver nourriture et matières premières. Mais fou, ils ne reviennent jamais. Nous allons enquêter pour vous. À commencer par le chemin qu'ont suivi vos récolteurs. C'est là que nous trouvons leur piste. Cours ! Quagan est d'accord. Si vous trouvez Chachou sur la côte, elle vous montrera les montagnes où les récolteurs ont disparu. Chouuuu ! Chachou est là toujours. Bon, avant, j'ai cru qu'elle avait dit cool ! Ouais. T'es sérieux que. C'est eux ? Bah oui. Ça se résume à ça ? Bah, au début, c'est un petit peu barbant la quête, gros. Mais c'est après que ça va commencer la. Épique. Bah, ouais, je crois qu'on peut encore se permettre. Bah ouais, je pense aussi, non? Ouais, on va aller tout droit. Merde. Lapin! Die, lapin. Die, bitches. Die, fucking motherfucking rabbit. Hey, tu l'as pas one shot? Ouais, parce que ça faisait obstruer. Briser la glace. It's time to break the ice. Allez! Salut, c'est Claptrap. Ouh! Le terrain de récolte est juste au-dessus, dans la montagne. Quagan est désolé d'avance de marcher aussi lentement, mais on y sera bientôt. Nous marcherons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Mais dites-moi, pourquoi la récolte se fait-elle si loin du lac? Mauvaise glace! Quagan ont fui au sud pour lui échapper. Mais la mauvaise glace nous suit. Maintenant, ça rend le lac trop froid. Est trop malade pour faire vivre les poissons ou les Quagan. Votre mauvaise glace provient sans doute de Jormag, le dragon des glaces, qui a forcé mon peuple à fuir lui aussi. Nous avons fini par trouver un nouveau foyer. Ne pouvez-vous pas en faire autant? Pas avant l'éclosion des œufs de Quagan. On ne peut pas les déplacer. Ils sont délicats. Ou cette génération de Quagan sera notre dernière. Pas de chance, mais nous sommes ici pour vous aider. Tout d'abord, il faut retrouver les récolteurs disparus, et puis nous nous occuperons de votre mauvaise glace. Ouais, on ira péter la gueule au dragon. Vous avez vu? C'est rapide. Suivons-le. Hein? Qu'est-ce qu'elle tue? Chachou. J'ai pas compris. Chachou. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est un petit peu de teubé, non? Les Quagan aussi là? Mais bon, je préférais ça que les rats. Hein. Tiens, il faut rentrer dans la grotte, gros. Mm-hmm. On dirait qu'il a mis un truc de rapidité permanent. Ah bah, je ne suis pas. Ah oui, nous, il a mis un truc de rapidité. Ah non, enfin si. En fait, c'est tant qu'il est dans notre zone que ça compte. N'appuyez pas. On vient. Ah, il est là, il est transparent. De toute façon, on finira bien par vous attraper. De toute façon, on finira bien par vous attraper. Oh, le bâtard. Elle bloque le passage.
Oh, c'est con. Quagan doit être courageux. Quagan doit être courageux. Si à chaque fois il me bump, c'est un faux. Attendez près des pierres. Et dès que ça aïe. Ouais, je te l'ai dit. Attends, attends, il a dit attendez près des pierres et dès que ça passe. D'accord, ok. Attends, 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 près des pierres. Ah oh, sa mère. Attends, 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 attends un peu. Ah ouais, c'est un vent en fait. Ah putain. Wouhou, j'ai réussi. J'ai vu de la corruption du dragon des glaces. Prudence. C'est peut-être un piège. Oh, putain. Oh, ça tue la neige, hein, Neko ? Ouais, l'effet de neige abusé. Ouais. Je pense que ça fait mal aux yeux, non ? Ah non. Oula ! Oh, c'est ça le dragon ? On dirait Silvery, il a un arbre là. What the fuck? Les monstres de mauvaise classe! Ça me dirait la voix de ce garde capteur, ça me rend en plus. Moi j'en vois tout d'un coup là, je cherche même pas à comprendre. On va vous réchauffer! Il t'a froid! J'ai mis ici dans le dos de Quagan! Allez, 10 secondes, il a fait le rock. C'est des Quagan corrompus! Ils ont été copulés avec des normes, c'est pour ça! Oh. Et il y a des molosses partout. C'est grave, Chachou. Ce Quagan corrompu va faire encore de la mauvaise glace et amènera encore des serviteurs de Jormag sur votre village. Il faut évacuer. Bourre ! Quagan ne peuvent pas partir avant que les œufs aient éclos. Nous devons parler au gardien du passé, Oldu. Il connaît de nombreux puissants sorts de défense. C'est un bon départ. La défense, c'est bien, mais l'attaque est préférable. Votre peuple sait-il se battre ? Au combat, les Quagan perdent le contrôle. Quagan n'aime pas se battre, sauf Barouche. C'est ce qu'il préfère. Ça fait honte au village, alors il vit seul. S'il revenait, il pourrait faire la différence. Qu'en pensez-vous, partenaire ? Faut-il renforcer les défenses du village ou recruter le meilleur, voire leur seul combattant ? Oh, j'aurais dû faire le sadique. On fait quoi ? Ah non, on prend le combattant. Ça a l'air d'être une race qui combat pas, en fait. Putain. Belle carapace. Alors... Le combattant, mec. Allons recruter Baroche. Parfait. Je sens qu'il va nous aider après, plus tard, pour... Ouh. Ouais... Les outils de minage. Bon, je prends lequel que je tape tout le temps. Je prends la hache. Je vais prendre les pioches, moi. C'est fini. Fais déférer quand tu parles. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Mm-hmm. Ça fait déjà quasi 40 minutes de vidéo. Mm-hmm. Et la prochaine fois, on fera du Borderlands 2. Et promis, Dadoom viendra, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient fait. Ouais, il est où, Dadoom ? Il est où, Dadoom ? Il était pas là, c'est pour ça, il était pas là. Eh ben Dadoom, il va en cours. Wow. Voilà. Je suis incroyable. Et oui, c'est un humain, Dadoom, ok ? Il fait comme tout le monde, il va en cours. Contrairement à ce que vous pensez, il parlera jamais. Non. Bon, bah écoutez. Bon, bah c'est ici, hein. Ah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Ça promet de belles péripéties. Peut-être qu'on va aller affronter un dragon bientôt. Dragon. Ouais, ça serait quand même sympa d'aller affronter un dragon. Bon, allez, sur ce, on vous laisse. N'oubliez pas d'avoir la... Wouii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 i